Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul avec la société GBFKE. Donc, vous allez voir, il y a vraiment des très très belles choses pour ceux et celles qui aiment bien faire la résine. Franchement, il y a de quoi vous éclater et de faire vraiment des très très belles choses. Alors, il n'y a pas non plus grand chose, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris donc sur leur boutique. Alors, c'était emballé dans un petit sachet plastique. Donc, moi, je l'ai retiré pour éviter que vous avez le bruit. Regardez-moi ça. Comment il est trop beau. Alors, ça a 8 euros aidé. C'est pas très cher. En plus, c'est un très, très grand moule. Vous voyez, déjà, au niveau de ma main. Hop. Franchement, là, la forme, elle doit faire à peu près l'équivalent de ma main. Donc, pour mettre sur des albums, pour mettre sur des meubles, pour faire des petites créations pour le home déco, ça peut être pas mal. Regardez-moi ça le détail. Magnifique. Très très joli. Donc apparemment, vous avez une gauche, une droite, une gauche et une droite. Alors, je pense que ça doit être une petite feuille. Ils sont vraiment super bien travaillés. Magnifique. Moi, je trouve qu'il est sublime. Alors, ça, c'est pour le premier moule. Alors, ensuite, j'ai pris un autre. Celui-là. Bon, là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que ça le voit bien. Regardez-moi ça. Donc, alors, je ne m'attendais pas que ça soit aussi grand. Franchement, je vous dis, c'est un truc de fou. Un grand papillon. Alors moi, je croyais que c'était en tout petit, donc je me suis dit, c'est chouette, je vais pouvoir faire, vous savez, des petits embellissements. Bon, ça, on peut peut-être éventuellement faire, étant donné que c'est pas très grand. Je vais vous donner les tailles. Donc, 7 sur l'intérieur, sur les extérieurs des ailes, 9. Donc là, je pense que ça doit être pareil. Oui, et là, pour le plus grand, donc 14,5. Sur 20 cm. Vous voyez, c'est vraiment un grand, grand papillon. Hein. Alors, au niveau des antennes, ça nous fait 9,5. Au niveau des antennes de là, 4 cm. Vous voyez, regardez-moi ça, comment c'est joli. Franchement, vous mettez plein de paillettes, plein de couleurs, ça peut être un truc de dingue. Magnifique. Il est grand, hein. Franchement, il est vraiment grand le moule. Là, je vais vous donner la dimension. 20 cm sur, je prends 11 antennes, hein, 15 cm. Voilà. C'est de là, donc l'antenne jusque là, et de là aux ailes. Voilà. Sublime, sublime. Oh, regardez-moi ça, les détails. Oh, ça va être magnifique. Quand ça va être moulé, ça va être magnifique. Alors ensuite, j'ai pris ça. Donc, je vais vous l'ouvrir. Vous avez donc 4 moules. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pour faire des petits pieds. Des petits pieds. Pouf. 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 C'est pas pour faire des pieds. Alors, vous avez donc des vis. Alors, vous en avez 2, 4, 6. Alors, 2, 4, 6, 8 et 2, 10. Alors, les vis font combien? 2,5. 2,5. La tête, elle fait combien? Un demi. Ouais, un petit peu plus qu'un demi centimètre. Ouais, 0,60 à peu près. Vous avez des scies. Alors, je vais vous les déballer. Des petits... je ne sais plus comment on appelle ça. C'est ce que vous devez mettre pour la vis, en fait, des petits emboîtements. En fait, vous faites le moulage. Donc ça, c'est des poignées pour faire, vous savez, en forme de rubis. Donc il y en a un rond, il y en a un en forme, je ne sais pas comment ça s'appelle, carré avec des pointes, enfin, des côtés biseautés. Vous avez un rond. Et vous avez ça.
les petites poignées en forme de rubis. Là. Voilà, bah c'est ça. Donc là, vous avez un petit pied pour pouvoir mouler votre pied. Après, vous mettez ça au-dessus. Pouf, pouf, pouf. Et vous mettez, après, une fois que c'est moulé, vous pouvez donc comme ça, comment dire, mettre les vis en fait. Vous voyez, vous le mettez là, hop, à la même hauteur que le truc là. Vous l'enfoncez dedans. Vous attendez que c'est sec et après, vous pouvez vous faire des poignées. Voilà, donc il y a de quoi faire 10 poignées déjà avec les petits embouts. Je vais regarder sur AliExpress si ça le vend, ça. Il y en a 2, 4, 6, 8. Et on a combien de vis? Et je vous ai dit combien? 2. Alors là, on a 10 vis. 4, 6. On a 10 vis, mais on n'a que 8 embouts. C'est un peu débile. C'est un peu dommage. Il nous en manque 2. Bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Je vais regarder sur AliExpress pour racheter ça. Après ça, je pense que ça doit se vendre en quincaillerie. Voilà, pour le côté pot ou autre. Donc voilà. Donc là, il y a celle-là. Regardez comment elles sont belles. Elles sont toutes travaillées. Je ne sais pas si vous allez voir. Trop beau à faire des superbes poignées, puis moi j'adore ce style de poignée. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris comme ça. Si je vais me faire mes petits trucs, si par exemple vous voulez faire, vous savez, une petite boîte à bijoux, ou si vous voulez par exemple faire du cartonnage ou des trucs comme ça, faire des boîtes, faire des petits tiroirs, bah vous voyez, comme ça au moins je pourrais mettre des belles poignées. Voilà, j'espère que je vais pouvoir les faire. J'espère. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul avec la société GBFKE vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous montrer ces petits trésors. Franchement, c'est vraiment sublime. Vous avez vraiment de quoi faire des jolies choses. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Faites les choses que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.